Oui, hein, shalom, shalom depuis Madrid. Depuis Madrid, hier c'était mouvementé, moi et Faye, on a fait un grand voyage. On a voyagé hier, je vous ai montré carrément des images. Linares. Nous sommes allés à Linares. On a fait des heures de voyage. Beaucoup fatigué. Voilà, donc il est pratiquement 11h. 12h moins ici d'Europe. Je sors de ma chambre, en fait ma résidence, mon hôtel. Je pars maintenant chez mes tuteurs. Voilà, donc tout va bien, par la grâce de Dieu. C'est mon fan, hein. Il chante bien ma chanson, hein. Yeah, I like the song. Yeah, kamu wo, amu ye isa, dodo di ye saramu ye wo, di di saramu ye saramu wo, ye yo kamu azara, amu sale wo, yo da wo sale ha. Ouais, shalom, shalom. Je suis aussi chante. Voilà, donc je suis à mon sixième album. Je suis en train de préparer un tout dernier album par la grâce de Dieu. Un album de très balèze, de maturité. Et nous comptons pas d'album, en fait, les six titres, hein. C'est pas une question de single. C'est six titres. Voilà, comme je reviens comme de coutume pour dire, frère, faut pas que les gens puissent vous distraire. Il faut avoir de la connaissance. Aujourd'hui, il faut comprendre que le diable, il n'est pas plus supérieur que Dieu. C'est pour ça que nous, dans notre communauté, dans nos églises à Divo, on ne fait pas cette histoire de excitez-moi, c'est là. Ouais, ça attend que mes vertus. Nous ne nous dit rien. Mais on a l'habitude de dire avoir gougnon. Nous l'attachons, nous le lions. Quand nous attendons parler de Satan, c'est de l'attaquer et de le détruire. Je suis fort surpris que les gens aujourd'hui, au bout de leurs lèvres, ils ne parlent que de Satan. Quand Satan sort de nos bouches, toute fois qu'il parlait du diable Jésus, il attaquait le diable. Il attaquait le diable. Il ne donnait pas nom au diable. Ah, tel homme de Dieu et de Satan, tel homme de Dieu et de diable. Donc Dieu, là, il ne fait. Parlez-nous un jour d'un homme de Dieu qui fait des grandes choses. Voilà. Mais heureusement que les enfants de Dieu qui ont le discernement, ils comprennent. Voilà. Moi, je ne laisserai pas le combat contre les yeux de la sorcellerie. Non. Je ne baisserai jamais les bras. Parce qu'il a compris aujourd'hui que le diable, il œuvre puissamment. Comme je disais, il ne faut pas rester à Abidjan pour dire non, un sorcier va mourir. Non. Il faut attaquer la sorcellerie à sa base. Il y en a combien qui le font? Nous, quand on finit de tourner ici en Europe, on retourne à la base. Et nous, quand il y a une question de sorcellerie, quand nous étudions le dossier, nous allons jusqu'à affronter le sorcier dans son village. Ce n'est pas une question de jeu. Il y en a combien qui le font? Ça, c'est le diable. Le diable peut aller lui-même attaquer le diable. Nous avons délivré beaucoup de personnes. C'est vrai qu'à un moment donné, nous délivrons, nous attaquons la sorcière à base, mais nous amenons même les sorciers à la conversion. Nous les amenons à la conversion. Il y en a combien qui amènent les sorciers à la conversion? Il y en a combien? Toujours prêt à gâter le nom des gens. C'est ça qui vous intéresse. Vous mettez ici les réseaux sociaux pour détruire. Mais nous comprenons. Parce que le diable, il détruit. Moi, il ne me met pas sur les réseaux sociaux pour détruire. Ce féticheur qui parle mal des hommes de Dieu, je suis le seul homme de Dieu qui l'a mis au pas. Et il me lance des défis, il fait une vidéo et je vais mourir. Mais voici, je suis vivant. J'avance. Je suis en pleine sensibilisation. La délivrance. Il a une fois vu, celui qui parle, il a une fois vu ses œuvres. Les petits chers sont dans les cases bizarres, les draps sales, pleins de poulards, des queues, des vaches envoûtées. Vous n'avez pas vu leurs œuvres? Nous, nos œuvres sont au grand jour, quand on commence on filme, c'est pour dire que c'est la grande lumière. Il y a quoi de diable dedans? Il y a quoi de diable dedans? Tout ce qui est de diable, c'est caché, ce sont des mystiques, mystiques. Yeah,
Oui, donc le diable, nous devons le combattre. C'est pas pour l'amusement. L'église doit s'élever contre les œuvres du diable. C'est pas pour jouer à les œuvres du diable. C'est pour combattre les œuvres du diable. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous ne cessons de combattre ses œuvres. Nous détruisons ses œuvres. Le diable en deuil. Un sorcier, un traité initié, par mois, il doit donner une personne. Le deuxième degré, c'est par semaine. Et le premier, le plafond, c'est par jour. Les sorciers en deuil des gens. Au lieu d'en parler, vous attaquez ceux qui parlent de ça. Vous attaquez ceux qui parlent de ça. Vous n'avez pas vu le diable en train de sauver quelqu'un. Donc, toutes ces vies qu'on a sauvées là, c'est le diable qui les a sauvées. Toutes ces vies là, les gens qui devaient mourir, programmer, sauver, c'est le diable. Vous donnez gloire à votre Satan. Écoutez, nos histoires de Dieu là, Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver l'humanité. C'est à lui la gloire. Et vous serez châtiés par la puissance de Dieu. N'attribuez pas les mystères, la puissance de Dieu de délivrance aux sorciers. À votre papa Satan. Voilà. Dieu, il est le puissant. Vous ne montrez jamais les miracles que fait Jésus-Christ. C'est de dénigrer les gens. Lui, il est le diable. Il allait faire, il allait prendre telle chose, il allait prendre telle chose. C'est ça qui vous intéresse. Nous sommes dans les villages. Nous maîtrisons le dragon, la puissance de Satan. C'est en cela qu'il s'agit. C'est en cela que nous sommes appelés. C'est ce ministère-là que nous devons exercer en tant que homme de Dieu, c'est de maîtriser le pouvoir satanique du diable. Voilà. Je suis ici en Europe, c'est pour sensibiliser les gens. Hein. Leur amener l'espoir à ne pas avoir peur. Parce que les gens ont peur. Il faut des gens comme vous. Il y en a combien qui viennent ici en Europe, qui les sensibilisent, qui vous disent, venez, croyez en la puissance de Jésus-Christ, vous revenez. Il y en a combien qui le font? Il y en a combien qui le font? Le sujet de sorcellerie devient tabou. Un sorcier doit mourir. Nous démystifions la sorcellerie. Nous amenons les sorciers à faire des aveux. Il y en a combien qui arrachent des aveux aux sorciers dans ce monde? Il y en a combien? Pour dire stop, arrêtez la sorcellerie. Paf, le sorcier tombe, il est délivré sous la puissance de Dieu. Il y en a combien qui le font? Il y en a combien? Malheureusement, nous les Ivoiriens, nous tuons, et nous Africains, nous tuons des hommes de ligue, des hommes que Dieu a oint. Arrêtez vos œuvres. Vous mettez sur les réseaux sociaux, insultez les gens. Nous ne sommes pas là pour ça. Le diable est détruit. Nous nous sommes apportés. Moi, je ne suis pas là en train de dénigrer quelqu'un. Je ne peux pas me mettre sur les réseaux sociaux de dénigrer quelqu'un. Non, ce n'est pas dans mes mœurs. Ce n'est pas mon éducation. Mon éducation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Le diable sera vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons le combat. Que Dieu relève l'Afrique. Shalom.